Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien Lily. Yo tout le monde et bienvenue dans un nouveau petit vlog. Ça sera la partie 2 de mon voyage dans les Pyrénées. Et aujourd'hui on va aller se balader, on va aller visiter des villes. Et je crois que demain on va aller dans un lac et faire de la rando, ça va être vraiment cool. Donc voilà. Et il fait méga chaud, c'est vraiment trop cool. Et finalement on repart jeudi au lieu de samedi. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my. Je monte ma tenue vite fait avant qu'on parte manger au resto. Du coup, j'ai mon t-shirt white, hein. 27. Et. Claquette chaussette parce que c'est plus confortable. Bon, du coup, j'ai une chaussure. J'ai mis mes zips parce que Antoine trouvait très moche que j'aille en claquettes au restaurant. Oui, non. Elles sont très bien mes claquettes. Elles sont très fortes. J'ai du mal à peu moi. Ouais. Mais ça passe, je t'ai dit, ça passe mieux avec des chaussettes foncées que des chaussettes claires. C'est vrai. C'est moins voyant. Bah non mais non, parce qu'il faut que les gens ils sortent. Avance encore un peu. Attends, je peux te dire comme ça toi. J'ai pas compris le principe du parking, non. Je peux te dire si tu veux. Tu vois, ça passe, vas-y. Tu peux avancer encore un peu hein. Stop. Non mais du coup non. On te suit. On est là et on va jusqu'en haut du lac.
téléphérique sans neige. C'est exact, moi aussi. C'est vraiment bizarre. Là pour le coup c'est tout un verdure. Hein. Putain mais ça monte si haut. Ah ouais, ouais ça monte haut. Je suis pas hyper... Après c'est cool si tu regardes, monte, la montagne monte avec donc on aura oui. pas de... Oui c'est pas comme si c'était en fait, fou les... Ouais c'est ça. Salut, j'espère que ça va. On est au lac de Gaume, c'est dans les Midi-Pyrénées, ou dans les Pyrénées tout court. On n'est pas très très loin de la frontière espagnole. Et en fait c'est un lac qui est en plein milieu des montagnes. Et pour y aller il faut faire une bonne heure de route. Ensuite faire beaucoup de rando. Et là on y est et c'est vraiment genre super super joli. Il y a des putains de montagnes tout autour et le lac il est bleu. Trop trop joli, il y a des vaches, il y a des arbres et tout. C'est un peu comme une réserve naturelle. Avec plein d'animaux et tout, et c'est juste genre grave joli. Là, on vient de finir le pique-nique pour la redescente en randonnée, ce sera mieux. Il y a un âne là-bas, juste là. Regardez comment c'est trop beau! L'instant photo. Regarde-moi. Bah alors, vous êtes tombés les gars.
n'aurais pas un petit bout de jambon pour moi? Je crois que j'ai chaud. Du lourd aussi, 60 euros, j'ai payé. Quoi? Tu déconnes? 60 balles? Bon, deux quarts et 70 balles. Bon, oui. Enfin, c'était soit moi, soit l'araignée, quoi. Fallait faire un choix, quoi. Parce qu'il y a vraiment pas d'excès. La réalité des choses, c'est elle ou moi. Ah, ça me dégoûte. Pareil, des fois. C'est chaud. Faut juste avoir assumé. Mais je te plains, hein. C'est quelque chose. En vérité. En vérité. Pour la belle araignée. Oh, quel enfer, elle était vraiment énorme. Je n'avais pas que les pattes en fait, même le corps était gros. J'en ai des frissons. Iou. Allez. C'est pas comme si j'avais pas la salle depuis au moins 8 mois. Merde. Lol. Lol, tu sens que ça me saoule ou pas? Jaeger, tu me mets dans le truc, je t'ai fait appeler Jaeger. Ah oui. C'est le Titanic, il est insubmersible. Il est trop heureusement qu'il l'avait rabattu. Mais il est où le clignot? Il était où? Là. Ah merde. Bouge pas, je vais prendre des photos. Le jacuzzi est en train d'être vidé. Il fallait sortir la machine, mais il reste encore tout ça. Là, tout est rangé aussi. C'est un jour de départ. Fini les vacances à la Pyrénées. On rentre à la maison. T'as eu déjà de 27, il a fait un big glaçon là. Hello, on est le lendemain. Et je suis revenue des Pyrénées hier. J'ai fait 6-7 heures de route. Donc premier stop c'était Bordeaux. Et ensuite j'ai récupéré un Blablacar pour aller à Nantes. Et la dernière partie a été plutôt très très longue et très très chiante. Mais moi je suis entrée hier soir. Et en fait pendant mon laps de temps où j'ai attendu pour le Blablacar, j'ai allé récupérer un colis qui était arrivé chez moi à Bordeaux, que j'avais pas encore récupéré. Du coup je vais ouvrir ça avec vous et je voulais montrer les achats que j'ai fait quand j'étais dans les Pyrénées. On va commencer par mon petit package qui vient de Travis Scott et c'est la deuxième cassette je crois que j'avais commandé. Je vais casser la boîte. Trop contente. C'est celle que j'attendais le plus. Celle-ci elle est vraiment trop trop belle et la cassette intérieure elle est verte. Et verte par rapport à l'autre qui était rouge. Maintenant j'ai ces deux cassettes. Il faut juste que j'aille acheter un lecteur cassette parce qu'à notre époque j'en ai pas. Et mes parents n'en ont pas. Donc je vais aller me procurer un petit lecteur cassette. Bon du coup pour les choses que je me suis acheté, j'ai juste 2-3 trucs. Surtout des merdes probablement. Enfin principalement. J'ai pris un petit savon au melon et au lait d'anès. Avec de l'huile d'argan bio. J'ai regardé sur UK, il est à 93 sur 100, donc c'est pas trop trop mal. Je voulais en racheter un autre et avoir une autre saveur. Je me suis également pris un petit couteau Opinel que j'adore. Ça c'est juste mon trousseau à porte-clés, parce que chaque fois que je pars, on a tous une collection de merde. Soit des magnettes, soit des boules, soit des carnets ou des porte-clés. Et du coup j'ai juste pris un porte-clés de la ville où on était, du Saint-Sauveur. Et le dernier truc que je me suis pris, on est allé dans une boutique où ils font de la laine. Et du coup, j'ai pris une veste sans manches en laine. Bon, j'avoue, ça fait très bûcheron. Mais en vrai, avec un petit outfit cool, je pense que ça peut passer. Et de toute façon, j'avais pas de veste sans manches, donc je comptais m'en acheter une bientôt. Et c'est une 100% laine, donc c'est trop trop cool. Ça sera tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous, salut.